Bonjour tout le monde. Après plusieurs semaines de tests, nous nous sommes accordés sur notre version ultime du nécromancien lance d'os pour cette saison 2. Si vous ne le savez pas déjà, cet archétype fonctionne terriblement bien depuis la sortie de Diablo 4 et même dans les précédents opus de la franchise. De ce fait, il existe de nombreuses itérations de ce build, et il ne fut pas simple d'arriver à celles qui nous correspondent le mieux. Le template que nous vous présentons dans cette vidéo s'oriente avant tout pour les donjons du cauchemar niveau 100, alliant une puissance de frappe monstrueuse, couplée à une survie incroyable, permettant d'encaisser tout type de dégâts. Même sans y toucher, vous pourrez aussi désinguer les yeux fermés tous les Uber Boss du jeu, mais nous vous indiquerons tout de même comment arriver à une optimisation qui les trichote. Sans plus attendre, nous attaquons dans un premier temps par l'arbre de talent. Celui-ci va nous permettre de comprendre sur quels critères nous choisirons notre équipement, ainsi que le gameplay à mettre en place par la suite. Notre générateur de ressources se nomme la saignée en renforcé et acolyte. Contrairement à l'éclat d'os qui peut aussi faire l'affaire au passage, nous profitons d'un meilleur gain d'essence en mono-cible, essayant ainsi de combler le principal souci de ce build. Notez que la saignée génère de base 9 essences contre 7 pour l'éclat d'os, mais surtout que notre vitesse d'attaque, et donc le nombre de saignées par minute que nous pouvons faire, augmente de 20% via l'amélioration acolyte du sort. Nous enchaînons sur la branche suivante avec fort logiquement la lance d'os 5 sur 5 en renforcé et paranormal. La deuxième amélioration augmente notre pourcentage de critiques, l'une de nos statistiques les plus importantes pour la suite. Nous continuons sur notre troisième compétence disponible sur notre barre d'essor avec décrépitude en renforcé et abject. En maudissant nos cibles, nous aurons une chance de les étourdir ainsi que de réduire nos temps de recharge actifs de une seconde. De plus, la décrépitude ralentit nos ennemis et affaiblit leur puissance de 20% vous pouvez retrouver dans certains guides lance d'os une préférence de leur hauteur pour la brume de sang à la place de la décrépitude. De notre côté, nous trouvons qu'il est plus intéressant d'appliquer de nombreux malus sur toutes nos cibles plutôt que d'avoir un panique bouton temporaire. Certes, la brume de sang nous sauverait les miches trois secondes, mais elle n'agirait pas sur la pression subie durant cette crise. En tout cas, sachez que ce switch existe si vous trouvez le gameplay proposé à la fin de cette vidéo trop complexe à mettre en place pour vous. La brume de sang simplifiera la rotation, mais vous prendrez beaucoup plus cher. Ensuite, pour notre quatrième compétence, nous cochons les vrilles nécrophages en renforcés et pestiférés. Nous prenons ce sort pour trois raisons principales. Tout d'abord, pour le crot de contrôle de masse que cela engendre via un grimpin de zone. Ensuite, pour l'effet vulnérable que cela applique, et enfin, pour un aspect surpuissant que nous mettrons sur le collier dans la seconde partie de ce tutoriel. Enfin, pour notre cinquième compétence, nous nous arrêtons sur l'ultime tempête d'os en renforcés et suprême. Nous apprécions tout particulièrement la réduction de dégâts subis de 15% proposée par ce choix, mais aussi le bonus de 20% aux chances de coups critique, idéal pour la lance d'os. Nous souhaitons bien sûr déclencher cette tempête d'os le plus souvent possible puisque ses effets bonus interviennent en même temps qu'elle et la décrépitude nous aidera pour cela comme nous l'avons vu précédemment. L'équipement aussi viendra ajouter sa pierre à l'édifice, notamment via des affixes de réduction des temps de recharge. Avant cela, il nous reste les passifs à cocher dans l'arbre de talent. Nous repartons au début pour prendre énergie non vivante 3 sur 3 et équilibre imparfait 3 sur 3. Le premier augmente notre maximum d'essence et le deuxième les dégâts de notre lance d'os contre justement un peu d'essence en plus. Ensuite, juste en dessous, chair dépecée 3 sur 3. Ce bonus va nous permettre de générer des cadavres à chaque fois que nous faisons des dégâts en combat. Les cadavres nous serviront pour les vrilles nécrophages mais pas uniquement. En tout cas, il nous en faudra pas mal pour l'efficacité globale du template. Ensuite, un peu plus bas, nous nous arrêtons sur la moisson sinistre 3 sur 3 pour de la génération d'essence à chaque consommation de cadavres et vol de mort 3 sur 3 pour un gain de 9% de dégâts supplémentaires toujours en utilisant un cadavre. Vous voyez immédiatement l'importance de générer des cadavres en plus car cela va agir directement sur nos gains d'essence et de DPS. Dans la branche malédiction, caresse de la mort nous intéresse toujours autant que dans nos autres vidéos sur le nécromancien. 6% de dégâts supplémentaires sur cible proche et 9% de réduction des dégâts subis vont grandement nous aider. Un peu plus loin, nous prenons carapace nécrotique 3 sur 3 pour obtenir de la fortification à chaque création de cadavre. Crantage 3 sur 3 qui nous offre du critique en fonction de notre niveau d'essence et fracture ouverte 3 sur 3 qui augmente de 15% nos dégâts après 10 critiques réalisées avec une compétence d'os. Pour résumer rapidement la situation, nous aurons du coup besoin de critiques, de dégâts critiques, d'essence et de cadavres pour faire fructifier notre arbre de talent. Mais avant cela, il nous reste encore quelques points de compétences à distribuer. Nous nous dirigeons vers la branche ultime de l'arbre et nous prenons leader charismatique 2 sur 3 pour obtenir 8% de vitesse d'attaque supplémentaire. La vitesse d'attaque augmente le nombre de lances d'os que nous pouvons envoyer par minute. Nous finissons notre collecte de passifs avec autosuffisance 3 sur 3 pour un énorme 18% de réduction de dégâts subis via le sacrifice de nos serviteurs et même Mori 3 sur 3 pour augmenter de 60% les bonus de ces mêmes sacrifices provenant de notre livre des morts. Ne pas oublier tout de même le passif ultime avec essence ossifiée qui augmente nos dégâts d'os en fonction du nombre d'essences que nous avons au-dessus de 50 points. Maintenant, si vous êtes en saison ou à l'avenir si ces bonus reviennent sous une autre forme, voici notre choix pour les cinq pouvoirs vampiriques que nous activons. Accolade sanguine. Nous permet de gagner de la fortification à chaque cible tuée et en plus du critique lorsque nous sommes fortifiés. Métamorphose. Nous pouvons maintenant activer l'état inarrêtable après chaque esquive. Pour rappel, cela entre en synergie avec le pantalon unique La volonté de Thibaut. Nous y revenons dans la partie équipement. Anticipation, 20% de réduction du temps de recharge sur notre tempête d'os, qui va nous permettre d'avoir un uptime proche de 100%. Résilience, sans doute l'un des meilleurs pouvoirs vampiriques défensifs, avec par exemple une réduction de tous les dégâts subis de 40% quand nous avons 20% de points de vie. Cela peut nous sauver la vie à maintes reprises. Attaque des faibles, 16% de dégâts en plus sur les cibles vulnérables, sachant que notre lance d'os et nos vrilles nécrophages permettront d'enclencher facilement cette condition, ça ne se refuse pas. Nous terminons cette grosse première partie du build tank lance d'os avec le livre des morts. Nous cochons les guerriers-squelettes défenseurs pour 20% de résistance à tous les éléments afin d'augmenter notre survie en donjon sans. Sur un Uber boss, nous vous proposons plutôt de partir sur les 5% critiques sur la ligne escarmoucheur car ça tape beaucoup moins fort à cause de tous les malus en moins présents sur les emblèmes du cauchemar. Pour les mages-squelettes, nous optons pour la version froid sacrifiée afin de récolter 15% de dégâts sur cible vulnérable. Enfin, pour les golems, nous préférons aisément les 30% dégâts critiques sur la ligne adéquate par rapport au reste. Tout ceci nous amène à la seconde partie de ce tutoriel nécromancien, avec l'équipement à obtenir pour décupler l'intérêt du build. Commençons par les uniques, au nombre de 4 dans l'idéal. Partez du principe qu'il vous les faut tous, mais que ça reste jouable sans. Les compétences continueront d'être utilisables telles quelles, mais vous perdrez énormément de puissance et de survie, ce qui risque d'entacher vos chances de terminer un donjon sans. Après, si vous souhaitez vous familiariser avec le build sur du donjon 50 sans tous les uniques, ça passera sans encombre. La priorité prend la forme du nouvel anneau unique du patch 1.2.2, alias l'âme sacrilège. Grâce à cet objet, nous obtenons des rangs supplémentaires sur les compétences de cadavres. Cela nous permet d'ajouter notre sixième compétence dans notre barre des sorts avec l'explosion macabre. Au niveau du pouvoir de celui-ci, il apporte du confort en théorie avec l'activation automatique des sorts, mais aussi indirectement beaucoup de dégâts. En effet, les vrais nécrophages automatiques ne comptent pas pour nous et nous pouvons du coup en relancer une, cette fois-ci manuellement, pour profiter de tous les bonus qui vont avec. De plus, l'explosion macabre, certes, n'apporte pas beaucoup de dégâts, mais elle va activer tout ce qui demande de consommer un cadavre inclus dans les passifs et paragons de notre build. Cela engendre de la génération de ressources via Moisson Sinistre ou bien encore du DPS via le passif Vol de Mort. Nous pourrions aussi citer le nœud légendaire Nécrose, mais nous reviendrons dessus dans la troisième partie du guide. Enfin, le reste des affixes de cet anneau unique reste très intéressant, car cela comprend de la chance en plus, de la vie supplémentaire, et enfin de l'essence maximum qui agit notamment sur notre passif ultime. Pour la main gauche, et c'est l'une des subtilités de cette version du lance-dos, nous équipons le mur vigilant. Là encore, en plus d'avoir de bons affixes, comme de la vitesse d'attaque et de l'essence maximum, comme nous jouons entièrement sacrifice, son pouvoir va se déclencher quasiment tout le temps. De plus, un bouclier apporte du blocage, soit une méthode supplémentaire pour augmenter notre survie que nous n'avons pas de base. Encore une fois, ça envoie des claques assez sauvages lorsque nous parcourons un emblème du cauchemar niveau 100, donc nous devons nous en prémunir via ce type d'optimisation. Troisième unique, le slot du casque où deux solutions cohabitent. Si vous avez eu beaucoup de chance sur Duriel, nous vous invitons à équiper le similaire lequin. Via son boost de rang supplémentaire sur la lance d'os, celui-ci n'a aucun autre équivalent dans le jeu en termes d'apport impactant notre DPS. Si vous ne l'avez pas, comme nous, optez pour le visage immortel qui fera aussi une partie du job. Vous remarquerez que son pouvoir favorise le choix de dégâts critiques en plus sur l'équipement. Enfin, un quatrième unique, que nous n'avons pas non plus, mais qui ne nous empêche pas de rouler sur du donjon sans, se nomme la volonté de Thibaut. L'effet inarrêtable s'obtient en saison 2 via un pouvoir vampirique qui agit sur nos esquives. Une fois enclenché, nous gagnons 40% de dégâts supplémentaires pendant 4 secondes, mais surtout 50 points d'essence en plus. C'est l'objet qui va nous permettre d'être à l'aise sur les Uber Boss, sinon faudra passer par des phases de génération de ressources via la saignée. Encore une fois, ça n'empêchera pas de les massacrer, mais ça sera un poil plus long, surtout que le buff dégâts disponible sur ses jambes ne rigole pas du tout. Pour les slots restants, voici ce que nous vous proposons. Pour le torse, aspect de désobéissance pour ajouter jusqu'à 66% d'armure en combat. Pour les affixes, cette pièce en possède deux très bons en défense et deux autres parfaits pour l'attaque. Nous partons du coup sur du pourcentage à l'armure totale et du pourcentage de réduction des dégâts infligés par les cibles à proximité. Nous voulons aussi du pourcentage de dégâts tout court et du pourcentage de dégâts de compétences os. Sur les gants, aspect de Dancy pour obtenir jusqu'à 40 de dégâts critiques sur nos compétences d'os. Encore une fois, cela suggère fortement d'insister sur ce bonus via notre équipement. Pour les affixes sur les gants, très important, le plus 4 rang pour lance d'os que seule cette pièce possède, hormis si vous avez le chaco sur la tête. Nous cherchons aussi du pourcentage de chance d'infliger un coup critique, du pourcentage de chance d'obtenir un coup de chance. Nous en avons besoin pour des passifs et notre bouclier, et du pourcentage à la vitesse d'attaque. Pour les bottes, aspect d'arpenteur spectral pour gagner en vitesse de déplacement lorsque nous sommes inarrêtables et ne plus se faire bloquer par l'ennemi en mêlée. Après, si vous désirez mettre autre chose, ça ne pose pas de problème, car celui que nous vous proposons apporte juste du confort en plus. Sur les affixes, il est important d'avoir du pourcentage de réduction du coût en essence. Pour le reste, nous voulons de la vitesse de déplacement, du rang en plus sur les vrilles nécrophages pour réduire leur temps de recharge et de l'intelligence. Pour le collier, aspect de veine rapace obligatoire, 30% de chance de critique et 60% de dégâts critiques pendant 6 secondes après avoir utilisé veine nécrophage. Avec la bague unique, vous pouvez avoir ce buff actif tout le combat du moment que vous générez assez de cadavres. Pour les affixes sur le collier, on veut du rang à la compétence passive évulsion. C'est aussi très important d'avoir du pourcentage de réduction du coût en essence. Ensuite de la réduction du temps de recharge et de la vitesse de déplacement. Pour l'anneau restant, aspect de déluge d'os en donjon qui augmente la durée de notre tempête d'os de 10 secondes en échange de 8 cadavres. Comme cet affixe enclenche le passif moins son sinistre, il faudra essayer de toujours faire consommer les cadavres à la tempête pour qu'elles nous rendent les 48 essences qui vont avec. Pour les affixes sur l'anneau, nous voulons de la chance au coup critique, du dégât contre les cibles vulnérables, du pourcentage de coups de chance et de la génération de ressources. Par contre, sur les Uber Boss, où il nous sera presque impossible de générer autant de cadavres en mode cible, nous préférons mettre l'aspect de tourment. Vous pouvez garder deux bacs différentes avec les deux aspects que nous vous indiquons en fonction de votre activité en cours. L'aspect de tourment augmente de 170% la régénération d'essence sur les critiques de la lance dos. Sur l'arme une main, nous plaçons l'aspect fracturant pour rendre vulnérable facilement nos cibles dès le premier échange, sachant que les vrilles aideront à faire de même par la suite. Pour le type de l'arme, prenez ce que vous voulez à part la faux. En effet, celle-ci donne de la vie par victime et nous préférons largement du DPS. Pour les affixes sur l'arme, nous voulons du dégât contre les cibles vulnérables, du dégât critique, du dégât critique avec les compétences dos et de l'intelligence. Toujours dans une optique de Uber boss pour optimiser le stuff. Nous vous conseillons de passer en arme deux mains pour gagner beaucoup de DPS. Dessus, vous remettez le même pouvoir que sur l'arme une main, c'est-à-dire l'aspect fracturant. Pour les gemmes, ce sera du saphir bleu sur l'armure pour les dégâts réduits sous fortifiés, de l'émeraude vert sur l'arme pour les dégâts critiques sur cible vulnérables. Et enfin des crânes sur les bijoux pour l'armure, car vous devriez déjà avoir les 70% de soft cap résistance élémentaire. Nous attaquons la troisième partie avec le damné paragon. Il n'y a pas énormément de glyphes et de nœuds légendaires surpuissants pour le lance d'os, donc beaucoup de joueurs optent pour un choix restreint de plateaux différents. L'idée étant aussi de renforcer ce qui est disponible en mettant plus de points dans la zone d'effet des chasses de glyphes. Nous avons essayé plusieurs propositions entre cinq et sept damiers en équilibrant à droite à gauche les cases pour ne perdre aucun bonus et nous sommes arrivés au résultat suivant. Glyphe sacrifice pour le départ, 10% de dégâts supplémentaires tant que nous n'avons pas de serviteur et 150% à tous les nœuds magiques de l'ensemble. Pour le deuxième plateau, nous partons sur le damier greffe osseuse, 8% de dégâts et 16 essences maximum de plus. Pour le glyphe, ce sera garde des tombes, 12% de dégâts supplémentaires et 125% à tous les nœuds rares de l'ensemble. Troisième plateau, le damier l'odeur de la mort. 15% de réduction des dégâts subis si nous avons deux cadavres à proximité et 15% de dégâts supplémentaires s'il si n'y en a pas. Ensuite, glyphe absorption. 106,9% de dégâts lorsque nous sommes en bonne santé, donc au-dessus de 80% de points de vie, ainsi que 30% de soins en plus sur nos potions. Quatrième plateau avec le dernier nécrose. 40% de dégâts supplémentaires lorsque nous consommons 5 cadavres, ce qui ira très vite avec notre build. Nous y plaçons le glyphe exploitation. 79,7% de dégâts contre les cibles vulnérables. Et enfin, le plateau bain de sang dont nous n'activerons pas le nœud légendaire. Dessus, nous y plaçons le glyphe essence, 134,6% de dégâts critiques, ainsi que 22% de dégâts supplémentaires sur nos critiques lorsque la cible possède moins de 80% de ses points de vie. À noter que les chiffres que nous donnons équivaut à des glyphes qui sont tous de niveau 21 minimum. Pour découvrir le résultat final, nous vous invitons à vous rendre sur le lien en description de cette vidéo. Celui-ci comprend aussi l'équipement et l'arbre de talent dans plusieurs langues possibles. Quatrième et dernière partie de ce guide, le gameplay. Première action à mettre en place, maudire toutes les cibles se présentant à nous pour les debuffs dégâts, appliquer un ralentissement permettant le kiting et activer nos procs réduction du temps de recharge. Ensuite, lance d'os dans le tas pour commencer à faire du dommage puis à appliquer l'effet vulnérable. Nous enchaînons avec les vrais nécrophages pour rassembler un maximum de monstres en un seul point. Il nous reste à enclencher la tempête d'os pour les critiques et la réduction des dégâts, Enfin, nous pouvons faire le ménage avec un spam de lance d'os en bonne et due forme. Normalement, rien ne devrait survivre à un tel burst. Pensez bien à relancer toutes les 10 secondes des décrépitudes dans le tas si jamais d'autres fouteurs de troubles se joignent à la fête entre temps, ou si jamais certaines des premières cibles restent en vie. Si vous êtes à court d'essence, vous pouvez soit utiliser les cadavres restants via explosion macabre pour générer 6 essences par tête ou alors passer sur la série. Ce que nous venons de vous décrire correspond à une rotation dans un cas de farming tranquille, même en donjon sans. Si jamais vous tombez sur des malus embêtants style poison, il faudra la jouer un poil plus tankinesse. Nous gardons l'idée de départ, donc décrépitude, puis partez immédiatement sur la tempête d'os pour les 15% de réduction dégâts, une saignée pour l'aspect moins 20% dégâts reçus, et ensuite la lance d'os une fois que vous êtes totalement buffé sur vie. Mais au fait, pourquoi une saignée nous ne l'avons pas précisé précédemment, mais si jamais vous n'avez pas la volonté de Thibaut comme jambe, vous pouvez mettre à la place l'aspect de toute puissance. Celui-ci permet à nos compétences de base de conférer 20% des réductions des dégâts pendant 6 secondes. Donc même si nous sommes full ressources, nous allons placer la saignée dans notre rotation. Si vous gérez convenablement cette approche ultra défensive, étant donné le nombre d'améliorations que vous activez, vous pourrez supporter n'importe quelle attaque, même si cela demande en échange un bon doigté sur le clavier. Sur les boss, nous pouvons être un poil plus bourrin, donc généralement ça part sur tempête d'os, lance d'os, décrépitude et spam la lance d'os. La vrille s'activera d'elle-même via notre bague unique. Nous arrivons à la fin de ce build nécromancien tank lance d'os. Nous espérons que cette version saura vous séduire, même si elle demande pas mal d'équipements uniques, ainsi qu'une prise en main pas évidente. Nous possédons encore quelques archétypes tier S concernant le nécromancien et non disponibles sur la chaîne, que nous serons ravis de vous proposer si cela vous intéresse. D'ailleurs, si notre travail vous plaît, nous comptons sur vous pour les soutiens habituels que vous connaissez par cœur sur YouTube. Merci d'avance, prenez soin de vous, et à très bientôt sur Cube Loves to Play. Bye tout le monde.